Au nombre de trois, les gagnants pour le FSC Challenge ont reçu leur récompense à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Il s'agit de Benjamin Evin Binet pour le troisième prix, Michael Mukwangi pour le deuxième et Dani Kwele Tolé pour la première place. Le lauréat incite ses collègues à s'intéresser aux véritables difficultés liées à la gestion des forêts. Les journalistes doivent aller vers les communautés, dormir avec ces communautés, lorgner dans les sociétés forestières pour voir un peu le cafouillage qu'il y a et également pour essayer de voir si entre les lignes ça bouge. Mobiliser les médias autour des questions de gestion responsable des forêts au Gabon et dans le bassin du Congo est l'objectif visé par l'ONG internationale FSC présente dans le pays. Pour vulgariser nos solutions FSC, ce sont les journalistes. Et donc, pour nous, il est important que ces journalistes-là soient dans un premier temps formés et capables de retranscrire les informations que nous voulons faire passer. Et ensuite, on doit pouvoir apprécier les efforts qui sont consentis par ces derniers sur ces questions de sensibilisation et de vulgarisation des actions du FSC au Gabon. La cérémonie a été le lieu pour le ministère de congratuler les responsables des forêts communautaires du Gabon qui se sont distingués dans leur gestion. Les activités que nous menons dans la forêt communautaire, pour le moment, nous avons d'abord commencé avec l'exploitation. C'est avec les redevances issues de cette exploitation que nous avons eu à réaliser tous ces projets. Aujourd'hui, 28 logements sociaux, un dispensaire, une case d'écoute, l'école et les cases, les maisons des enseignants. Ce que je peux dire ici, au nom de toutes les forêts communautaires, essayons de protéger vraiment nos forêts. Il faut toutefois retenir que le FSC Challenge, organisé en collaboration avec la zone économique spéciale de Nkok, a été lancé lors de la semaine des forêts FSC 2022 à Libreville, au Gabon.